Et nous revoilà pour ce cinquième épisode de Pokémon Noir 2, le let's play le let's play Pokémon. Alors tout d'abord, avant de continuer, je vais retourner dans la ville, juste avant la ferme. Je vais aller chercher un objet. Alors, on est le jeudi 27 septembre, où il sort, je le posterai l'épisode le samedi 29 septembre. Donc voilà, vous avez vu la maison, ça lui faut parler, il nous donne simplement une potion, ça peut toujours être utile. Ne vous moquez pas. Et aussi, je vais aller prendre sac. Non. Sac. On va aller dans les CP et je vais apprendre. Pardon. Et je vais apprendre retour à Rayonou. Ah oui, parce qu'il a que Vive Attaque, enfin il a Vive Attaque Forte Paume, mais Vive Attaque il n'est pas prioritaire. Ce serait bien qu'il ait une troisième attaque, je trouve, à la place de Clairvoyance. Mais... Si je me rappelle bien, le jeu il sortira en France le 12 octobre, si je me rappelle bien, donc il y a 30 jours ou 31 au mois de septembre, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de marcher, j'ai pas envie de courir, vous voyez, j'ai envie d'être sous la pluie, moi. Ah non, un Pokémon. Il y a 30 jours, je crois, ça lag un peu. Excusez-moi, ça lag. Oui. Donc, je crois qu'il sort... je crois qu'il y a 30 jours, au mois de septembre, ça nous... Donc, 3... Et donc, dans 15 jours... Donc il sort en gros dans 2 semaines en France. Ah. Et puis pour vous, ben, quand je la posterai, il restera plus que 13 jours. Salut. Ouais, ok, ben, si tu veux. C'est cool. Ah,
Ah, ça fait mal. Excusez-moi, je croyais avoir repris l'épisode, mais non. Bon, bref, j'ai fait charge avec Créatentive, j'ai lancé un Pokéball et ça a marché. Donc voilà. Vous avez pas raté grand-chose, même pas 5 secondes en fait. Enfin, à peu près, on va dire. Excusez-moi si je fais souvent des élites. C'est pas grave. Vous aimez ça. Tout oublié. Sans aucune raison. J'ai qui en premier? J'ai Roussi. Oh non, what's pas KO. Bon, c'était qui toi? Salut, je suis un scientifique. Je regarde ces lumières pour que je devienne aveugle. Waouh. Je vois le paradis. Qui es-tu? Ah, il m'a vu. Ouais, si tu veux. Il y a un trou là, c'est suspect. Petit champi, ouais. Il y avait pas un autre objet. Bizarre, j'ai. Je crois qu'il y a un objet caché dans les herbes. Ouh là là, c'est magnifique. Regardez ce qu'on a trouvé. On a déjà trouvé magnifique, ça c'est cool. Bon, attendez. Je suis désolé si je fais des petites sauvegardes vite fait. C'est pour être sûr d'avoir Magnéti, hein, je suis désolé. Vous allez dire que c'est un peu de la triche, mais on veut l'avoir ce Magnéti. Je vais essayer de pas trop attaquer Magnéti quand même. Porte paume sur Magby. Voilà. Oh non, regardez, corps ardent. J'ai pas de chance. On a trouvé une anti-brûle tout à l'heure. L'utiliser tout de suite parce qu'il faut pas que Renard soit KO. C'est clair. Oh non, par aussi, oh, tu m'énerves toi. Ah, puis j'ai oublié de prendre l'objet à poncho, c'était quoi? Un total soin. Ah là là. Bon, on envoie Poichijon. Là, on va faire, on va soigner Renard. Alors, soin statue. Ouais, j'ai trouvé une anti-brûle. Enfin, j'en avais bien trouvé une. Hop, Renard, voilà. On va faire retour sur Magnéti. Je mettrai KO Magby avec Poissonné. Allez, le mets pas KO. Hein. Ça va. De toute façon, si tu le mets KO, ça veut dire que tu m'aimes bien. Et que tu évolueras bientôt. Mais pas dans cet épisode, puisqu'on est la nuit. Et tu évolues que le jour, toi. Méchant petit coquin. Bon bah ce sera un autre Pokémon qui mettra Magby KO. On va envoyer Ratantive. Parce que j'ai pas envie de mettre Poncho. Parce que lui il veut ramasser des objets. De toute façon même s'il est KO il en ramasse pas. Des super armes mais bon. Allez, on fait encore une attaque retour sous Magnéti et je pense qu'on va commencer à capturer. Enfin, lui lancer des Pokéballs. Tintin. Pas KO, non. Mais t'es méchant. Bon, bah, on envoie Poncho. Il nous reste plus que Poncho et Renard. Ah là là. Attendez, je réfléchis. Non, je vais faire ça. Là, je cherche sur Magby. Je vais tenter un vive attaque sur Magnéti.
Voilà. Gros yeux. Ouais, la défense baisse. De toute façon, vous avez que des attaques spéciales. Alors. Ça sert à rien. Mais non, mais il va être KO là, le renard. Critique, il a fait. Niveau 8. Voilà. Un petit niveau pour un Poké. Ah bah, il a pris morsure. Voilà. Allez, on va commencer à capturer. À capturer Magnétique. Mais avant, je vais soigner Renard. Et comme c'est un combat double, je préfère les deux en même temps. Donc on soigne Renard. Et on envoie une Super Ball. Oh non, il faut se concentrer pour bien lancer. Ça veut dire quoi ça? Oh, j'utilise de potions. Bon ben, on va faire charge sur Magnéti. Et je vais utiliser la potion avec Renard. Hop, on le soigne. C'est clair. Ah là là, eh. Faut que tu te calmes, Magnéti. Ouh là là. Bon, maintenant, je te fais plus rien. On te lance la Super Bowl. Et c'est parti. Un, deux, trois. Du premier coup. Ouh, j'ai eu de la chance. Parce que j'avais eu du mal dans ma première partie que j'ai fait. J'avais vraiment eu du mal à l'attraper. Eh ben, j'ai un peu... Dans les captures, en fait, j'ai le contraire du syndrome du filmeur. Non. J'en sais rien. Bon, bref. On va aller soigner nos Pokémon. Parce que... Je vais pas te capturer parce que je sens que je vais être empoisonné. De toute façon, c'est facile à trouver les Slowbro. Même si c'est le... Même si j'ai trouvé des Pokémon un peu plus rare avant. Il y a quelque chose là. Ok. Celui-là, je m'en rappelais même pas. Hein. Moi, quand je vois des trous dans les herbes, je regarde. Ta 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 ta. Ta ta. Honte sur mer. Hop, et il est tout droit le centre Pokémon. Et on soigne nos Pokémon. Bonjour, bienvenue, nous pouvons soigner. Voulez-vous les soigner? Bah, à ton avis, c'est pourquoi que je te parle. D'abord. Tout, 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 tout. On va récupérer Magnétique, qu'on va prendre dans l'équipe. Alors, il a quoi? Charge, ultrason, éclair et sonic-boom. C'est bien ça. Et la fermeté. Ah, tout. Hop, on le met dans l'équipe. On va le mettre à la place de... Pas Watt-Watt, pas Poncho. À place de Ratanti. Parce que Watt-Watt, il a cage éclair. Et Poncho, il a ramassage. De toute façon, quand Magnéti aura cage éclair, j'enlèverai Watt-Watt. Bon, attendez, je regarde. Prends l'objet à Poncho. Il est déjà niveau 13, Magnéti. Hein. Je vais laisser Roussi en première position jusqu'à ce qu'il évolue. Et ensuite, j'entraînerai Magnéti. Enfin, je le mettrai en premier. Là-dedans, Et un siphon là. Je crois que dans les siphons, ici, dans cette ville là, c'est des Mamambo, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, bref. C'est parti.
Ah ben, je crois que c'est le même de scientifique. Hein. Voilà, maintenant je regarde des tours noires, non, blancs et rouges, pour parce que j'adore ces deux couleurs-là. J'espère que l'autre fouineur va pas revenir. Oh non, le fouineur. Ah, le scientifique s'en va vers d'autres lieux. On va te poursuivre. T'es là, je suis sûr. Ah non, c'est pas toi que je parlais, c'était au scientifique qui est juste à droite là. Oh, tu vas te calmer, comment tu t'appelles? Tu vas te calmer, fillette, fillette, comment on va t'appeler? Fillette, fillette, attendez. Fillette des chauves-souris. Parce que t'as un chauve-souris, ouais. J'ai super cherché pour trouver ce nom-là. Flair. Ouais, flaire-moi. Si tu veux, je suis pas de type steak, ça se sert que dalle. Voilà, t'es KO, chauve-sourire. Pfiou. Allez, bientôt niveau 17. Ah, le pote. Non, mais je suis bloqué par un lampadaire. Ah là là. Je meurs. Ok. Salut! Voilà, maintenant je regarde ce qui est en dessous de de ça. Ouais, bon. Je sais pas ce que c'est. Oh non, te revoilà. Oh, tu m'énerves. Tiens, prends ça. Tu peux le prendre. C'est ce que tu voulais, non? Oui, c'est ça que je voulais. De lui. Je t'ai poursuivi pour ça. Et si on va lui. Et là, il retourne au premier endroit où on l'a vu. Si vous lui reparlez trois fois, il vous donne pas d'huile. Hein. Sinon, ce serait facile d'avoir des huiles illimitées. Il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien du tout. Mais je peux pas passer là. Ok. Et ben, on va monter. Ouais, il fait beau aujourd'hui. Oh non, je suis tombé. Ouh. Non, non. Non, allez, on va passer pour de vrai. On va aller là d'abord. Il y a un ouvrier. Il y a quoi là? Ouais, c'était 46 larcins. Cool. Allez, on va te parler à toi. Tu te bats pas? Oh non, mais t'es méchant. Ah si, tu te bats. C'est bon. En fait, il a, je crois qu'il a pas eu. Ouvrier Isaac. À mon avis, il a pas eu de point d'exclamation parce que. Ben, parce que. Parce que. Oh, j'ai trouvé. Parce qu'à mon avis, il fait partie de ceux qu'on doit battre pour avoir l'objet que le patron nous donne à l'entrée. Non, ça fait combien de temps que je suis? Eh, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Hein. Bah, je vais terminer de faire, je vais terminer d'explorer cet endroit et j'arrêterai l'épisode après. Et l'ouvrier ne se doutant de rien, eh ben ne se doute pas que c'est grâce à lui et à son smogo que mon Roussi va évoluer en Roussi. Non, il va évoluer en gros tichon. Piou. Et la vitesse remonte. Gaz toxique. Ah, il a fini par me toucher. Hein. De toute façon, je vais mettre Magnéti en premier. Et puis, si tu réessayes de faire gaz toxique, ça marchera pas. Parce que les attaques. Parce que non, parce que les Pokémon acier sont immunisés contre les attaques poison. Et ouais. Tintintin. Ou s'il monte au niveau 17. Vous avez battu ouvrir. Quoi? C'est quoi cette lumière qui vient de ton roussi? Eh ben.
Tadadam, première évolution de ce let's play. C'est parti. Il est sur deux pattes maintenant. Il a évolué. C'est un gros tichou. Ouais. C'est bien hein, si tous les Pokémon avaient besoin de se mettre sur deux pattes pour évoluer, bah ce serait facile. Ah là là. Bon, il m'a demandé d'apprendre le com. Bien sûr qu'on va l'apprendre à la place de Mimikyu. 1, 2 et tada! Roussi oublie Mimikyu. Et Roussi apprend com. Ouais, quand même, une attaque combat. Oh, regardez, il y a encore un en aiguille là. Bon, attendez, on va aller le battre. Je vais juste mettre Magnéti en premier. Ouais, si Magnéti arrive à battre le nom mais oui, ben ça va déjà lui faire pas mal d'XP. Allez, c'est parti. Non mais oui. Alors, on va lui faire Sonic Boom. Oh non, il est 8 attaques. Sonic Boom qui enlève toujours 20 PV. Donc ça peut peut-être être utile puisqu'il est pas mal en défense là. Donc ce sera mieux Sonic Boom que n'importe quelle attaque. Parce que, non mais oui, est assez fort en défense, une défense plus 7. Mais pourquoi j'arrête pas de rater Sonic Boom? Bah disons on aura vu deux dans les 8 hein. Le premier niveau c'est celui-là, il est niveau 10. Dacitrus. Hop, on réutilise Sonic Boom et je t'ai battu. Allez, moi je dis qu'il va au moins au niveau 15. Allez, moi je dis niveau 15. Oh non, même pas. Bon bah j'ai rien dit en fait. Ça doit être juste que Roussi monte plus vite de niveau. Comment on fait pour... Ah oui, faut remonter. Faut que je remonte dessus. Alors, on va passer là cette fois. Là, doucement, voilà. Allez, à toi maintenant. Oh, je suis l'ouvrier numéro 2. Du trio des ouvriers. Allez, viens te battre. Bien sûr que je viens. Allez. Ouvrier nickel. Oula. Eh bien, Migrécui a évolué en quoi? En gros tichou. Il a évolué en gros tichou. Bref, en gros tichon. N'ayez pas de mauvaises idées dans la tête. Parce que voilà. Moi aussi c'est con ce nom là. Gros tichon. Franchement. On se demande à quoi il pense quand il donne les noms. Hein. Ah là là là. Mais tu vas arrêter de faire détection, toi. Ah. Si j'avais pas enlevé Ruse à Riolu, et ben j'enverrais Riolu et il te ferait l'attaque ruse et là t'aurais très mal. Parce que ruse ça marche quand on fait abri ou détection. Et puis là t'aurais très mal. Voilà. Il va envoyer Elekid. On garde Magnéti. On va lui faire Sonic Boom. Parce que si je fais charge, je suis sûr que je vais être paralysé avec statique. Oh non, ça fait mal ça. Enfin, ça fait mal parce que je suis tout passé. Mais ça va, je suis pas très loin. Allez, encore ce niveau. Éclair. On ne fait rien. Oh ben non, mais bien sûr. Allez, vas-y. Non. Oh, en plus, la paralysie, ça ralentit. C'est pas juste. Ouais. La ralentie, ça baisse
énormément la vitesse et la brûlure, ça baisse énormément les attaques physiques. Là, je vous ai peut-être appris quelque chose, j'espère. Oh, tu as battu le deuxième ouvrier. Incroyable. Bon, je vous fais une petite ellipse le temps que je vais les soigner et je reviens à cet endroit exact. Pourquoi ça a pas marché là-haut? Attendez, on réessaye. Voilà, j'étais les soigner. Bon. Il reste plus que là-bas. Bon, ben, plus que le gamin et l'ouvrier, puis on a fini. Allez, viens de battre. On va entraîner même ici. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Y'a que moi qui sais faire l'acrobate. Ouais, non, y'a pas que toi qui sais marcher sur des tuyaux, sur des... Ou sur... Bah, on va dire que c'est des tuyaux, de toute façon. Parce que j'ai pas envie de réfléchir. Bon. Éclair. Allez, hop. Pour ceux qui joueraient aussi au jeu et qui aiment les calinos, vous pouvez en trouver dans les herbes. Parce que, enfin, il y en a pas mal, je sais, qui aiment les calinos. Quand ils font des vidéos et tout ça, alors voilà, je vous le dis. Je suis désolé. Vous n'avez rien entendu, on est d'accord? Ouh là là, attendez. Vous n'avez rien entendu. Je sais pas si... Bref. Il apprend qu'à j'éclair. Bon, on va lui en prendre à la place de... On va lui enlever quoi? On va lui enlever Charles. Je préfère garder son Egboom pour le moment. Oh, pardon. Hop. Vous n'avez rien entendu, ok? Vous avez été sourd pendant l'espace de temps qui s'est passé. Voilà. Vous allez me prendre pour un fou si vous avez rien entendu en plus. Ah là là. Ah, Arioli. Bon. On va lui faire éclair. Hop. Ouh là là, ça lui enlève beaucoup. Non, je déconne pas. Ça lui enlève beaucoup. Bon allez, on va changer. Pour dire que j'ai mis Rionou, enfin Renard, dans cet épisode. Et vous savez quoi? J'ai oublié de donner un surnom à Magnéti. Bon, c'est pas grave. Quand quand on sera dans la ville où il y a le maître des surnoms, je lui donnerai un surnom à Magnéti. Je suis désolé, Magnéti. Pardonne-moi cette faute. Voilà, on a battu Poncho. Et bien voilà, on a battu tout le monde du complexe Tashiwaki. Donc on va aller voir le mec et normalement il va nous donner un objet. Bah, je retrouve un magnétique. Bah, pourtant c'est pas facile à trouver. Hein. On va faire cri. Nana. Et normalement, il nous donne une CP. Salut. Alors, est-ce que tu as vraiment battu tous les ouvriers cette fois? Oui. Éclatroc. Ouais, carrément. C'est une CP, hein, c'est pas une CS, Éclatroc. Hein. Enfin, dans Noir 2, c'est pas une CS. Quoi. Bon, bah, on a eu Éclatroc, cool. Je pensais que ce serait un peu mieux. Non, c'est bien. Quand même.
Bon, ben voilà, on va se quitter sur ça. Je vais juste parler au mec des médailles. Enfin, au mec qui donne les médailles, là. Ok, je peux prendre votre Pokémon un instant. Voilà. On parle à lui. Hasard, ouais, salut. Ouais, on a une médaille. Évolution espérée. Donc, faut faire évoluer un Pokémon, minimum. Une deuxième. Demandeur d'objets perdus. Ça, c'est si vous trouvez des objets invisibles que vous trouvez avec le cherche-objet. Et puis voilà. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Attendez. Toi, tu regardes par là, voilà. Et toi, tu vas aller travailler, hein, parce que toi, tu travailles pas ici. T'es pas pharmacien, donc tu vas travailler au concret. En plus, j'ai même pas pu battre tes Pokémon, ta faute. Retourne là-bas que je te batte. Allez. Attends, je vais te pousser. Allez. Bon, c'est pas grave. Voilà. Moi et toi là, qu'est-ce que tu fous hein? T'as trouvé ce que tu cherchais ou tu tournes en rond? Et toi? Salut, je trouve pas de potions. Où elles sont? Oh, d'accord. Le Nether, ouais, c'est dans Minecraft ça. Sauf qu'il n'y a pas de. Bon, bref, je vais parler comme ça, je sais même pas. Bon, non, on va dire non. Allez. Et toi? Parce que moi je dois dire au revoir. Alors, eh bien, salut à tous. N'hésitez pas à aimer, à commenter et même à vous abonner. Laissez voilà quoi. Et on se retrouve dans le prochain épisode qui sera l'épisode 6. Au revoir tout le monde et passez une bonne journée.